Hey yo tout le monde, ici Ardoum, j'espère que vous allez bien. Coucou le chat, coucou YouTube, etc. Faites-vous des petits bisous les uns les autres, ça va être beaucoup plus rigolo. Donc on est dans une game. Alors là, faut savoir qu'on vient de gagner avec Riven. Mais Riven est maintenant en face, je suis un peu dégoûté. Et je suis du coup à 65,3% de win rate sur Riven. Sur 170 games, enfin sur plein, voilà, plein beaucoup. Du coup c'est plutôt agréable, c'est voilà, c'est rigolo comme stat. Parallèlement à ça, donc dans cette game je ne pouvais pas jouer Riven. A la base je vais jouer top et tout, et il y a lui, alors celui qui devait être mid il fait ah est-ce que je peux jungle et tout. Celui qui était jungle il fait ah mais moi je peux pas mid. Je fais bah moi je peux mid et tout, comme ça tu vas top. Enfin on s'est arrangé, voilà, du coup je me retrouve mid lane. Donc bah je suis avec Orianna, la boule. Je vais essayer de jeter mes boules sur le front de Z, il est là, hop, c'est mieux. Garde donc tes diamants, oui. Oui, qu'est-ce qu'on attend? What are we waiting? Love, what are you waiting for? Love me like you do. Invade. But... Mm-hmm. Ok. C'est bizarre. Tout va bien. La boule, c'est dommage. Hein. Avant, elle avait un peu plus de range, elle avait près jusque là, et c'était 10 fois mieux. Je vous avouerai que 50 de range de plus, ça changerait la vie d'Orianna. Ça la remettrait, je pense, au goût du jour, vraiment. Après, effectivement, quand tu maxes le Q spell, bon, c'est plus facile, mais c'est pas rigolo de maxer le Q. Du coup, je ne maxe pas le Q. Voilà. Bon, allez, hop, let's go. Doudoudoudoudou. Lui va essayer de faire des shurikens. Bim! Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais j'ai mes runes de Riven, en plus. C'est vachement rigolo. C'est-à-dire que... S'il veut vraiment jouer les auto-attaques, il va pleurer, hein. Si. Mais lâche-moi avec tes shurikens, ça va. Il se passe quoi? Ouga. Fais gaffe, si tu t'avances, mec. On met la boule... Ouais, attendez, puisque je suis trop concentré, en fait, sur essayer de la race, et je fais plus du tout attention à mon farm. Damned! C'est ça de plus jouer mid, hein. Du coup j'arrive pas à faire deux choses en même temps, c'est très gênant. Lui il a voulu jouer. On va mettre la ward. Passage level 3 et c'est good. Ok. À quand gardons contre Faker? Jamais Faker n'oserait pas me défier. Salut Rumble. Wouah, je suis obligé de flash en fait. Hein. Faut que j'aie l'XP. Et je veux juste l'XP, mec, lâche-moi. Ah, je déteste les junglers. Mais quand je vous dis que les junglers, ils me ruinent toutes mes games. C'est gênant. Hein. Mais ça va, lâche-moi, je sais pas, fais autre chose de ta vie. Parce que là, le problème, c'est que la lane, il est en train de la freeze, alors du coup... C'est un peu relou. Rune d'Arriven égale... Non, si, si, j'ai des stats d'AD et tout, c'est pas grave. C'est pas très grave, il y a de la CDR et tout, c'est pas mauvais, hein, mais... Ouais, le problème, c'est que là, à la place de Z, je ferai un flash-in, je crois, pour venir me tuer. Flash in, ombre et tout, il me tue. Ah, comme c'est relou. Je compte pas laisser ce soir. Hop, merci. C'est super chiant en fait, hein. Comme vous voyez, c'est que là, je vais perdre toutes ces waves là. Le Rumble là, il m'a mis trop mal. Du coup, c'est un bon gank, hein. Il a bien joué, mais. Qu'est-ce que c'est relou quoi. Et chaque game c'est pareil. Je dois être maudit des junglers. Je dois être maudit. Salut Knash, ça va et toi? Ok. Ok, bon. On fera avec, hein, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, mais waouh. Ouais, pourquoi j'ai flash rumble? Parce que sinon il m'aurait ralenti, plus lance flamme. Z venait avec un flash et il me tuait.
J'avais pas le choix en fait. En termes de gank, son gank était bon, je pouvais pas m'échapper sans flash. Le plus chiant. Mais non! Mais genre, enfin, j'ai perdu tous mes HP en 3 secondes et demie! Oh non! Mais c'est une vraie blague ça! Top Ned! Bon, maintenant il est passé level 6, en plus ça pue la merde. Et lui en fait il lui fait freeze. What? Wukong a dit à Zed en fait, tu peux freeze, vas-y mec. Ok, non, ça va, Zed il veut pas freeze. Je suis vraiment dans le caca là. Je suis vraiment ultra dans le caca par contre. Ah, que j'aimerais avoir des vrais junglers, que j'aimerais. Mais bon, c'est pas grave, shit happens. Shit happens, on fera avec. Du coup, je vais faire le Zonia évidemment, first item, hein, profiter de mourir du Z. Là, le Z à sa place, je serais venu, j'aurais fait R et tu tues Oriana et GG roleplay quoi. On garde la boule de façon offensive. Il est mort. Voilà, merci. Je vais te chier dans la bouche, moi. Tu vas voir. Non, mais oh, ça va pas se passer comme ça. Bon, je vais vraiment avoir besoin du Zonia très très vite, par contre. Hein. Effectivement, sinon c'est lui qui va me chier dans la bouche. Oh, je fais pas assez de dégâts. Zut. Ah oui, j'ai pas d'AP du tout. Mince, j'avais oublié. C'est mes auto-attaques qui font mal, en fait. Ça va être un poil chiant, mais c'est pas grave. Ok, let's back. Il a essayé de forcer un peu trop. Il a essayé de forcer. Bon, le problème c'est que dès qu'il va avoir son R, à chaque fois il pourra faire ça. Ça va vraiment pas être une lane facile. Hein. Parce qu'au début en fait je mettais assez de pression. Généralement moi j'aimais quand Oriana c'est prendre un kill dans les premiers niveaux. Et j'aurais normalement pu le faire, mais il a dit non. Revenons-y. Oh, Maokai, t'es tellement mort, top. C'est dommage pour lui. Bon, on est quand même à 2-2, globalement. Le global de la game est pas mauvais, hein, mais bon. Le global de ma lane est un petit peu chaud. Il y avait encore Rumble qui était top. Je sais pas quand est-ce qu'il va commencer à bouger. Ça reste stressant. Faga, parce que si Riven prend de l'avance par rapport à Rumble, ça reste un peu chaud. Lui il a plus d'escape, faut y penser. On va juste hard push. Hop, quelques petits dégâts. Le Rumble est peut-être dans la rivière, du coup je vais juste aller ward. On sait jamais. J'ai pas besoin de flash. Bah il court plus vite que moi Rumble en fait. Ok, ça c'est good. J'aurais dû prendre exhaust. Oui mais j'aime pas, c'est pas rigolo. L'ignite c'est mieux, ça brûle et tout, c'est... Bon, au niveau de la mana ça va être super chaud. Ça va être vraiment chaud, oh oh. Oh non, je pensais avoir l'autre creep et j'ai pas eu. Faut que je back en fait parce que j'ai plus de mana. Là je pourrais pas tenir un trade vraiment, je vais prendre un deuxième Doran Ring je pense. Hop. Oh comme c'est chiant cette lane. J'ai gagné. Ouais j'ai win au final Eniark. J'ai win. Ah oui mais non, je peux pas cramer mon mana comme ça en fait. Enfin c'est parce que j'ai pas de bleu et j'ai pas de régène mana, du coup je peux pas faire ça. C'est super chiant. On prévient encore les copains que voilà, il est pas là. Est-ce qu'il va faire décaler ici? Non c'est bon, ça a l'air d'être bon, ok. Bon. Voilà. Oh, mettons en top, please.
Go full armure. Commencer cendre de Bami, c'est un petit peu difficile. Comment on va faire ça? Vraiment, je suis pas bien là. Je suis pas bien parce que du coup, même au niveau du dépush, je peux même pas me dire que je spam mes spells. Niveau mana, ça ne passera pas. Ok, on a réussi à choper 3 creeps. Je pense que du coup, on va gank bot. Il y a peut-être moyen. Oh, la quête, elle vient de prendre cher, non? Ah ouais, ouais. Ah non, c'est lui qui vient de prendre cher. Ok. Ok, donc le Wukong, je ping que le Z est pas là. Il essaye de... Oh non. Oh non. C'est puant ça. Le Wukong, je ping que Z est pas là en plus. Did Z ult. Je pense qu'il a pas besoin parce qu'ils étaient deux face au Wukong, donc normalement il a pas eu besoin. Pourquoi pas Aeroa? Je vais le prendre mais juste après en fait. Mais au début j'ai surtout besoin d'armure parce que j'ai pas de rune armure du tout. Et sinon on va me faire des dégâts bruts. Et un Z qui me fait des dégâts bruts, ce serait pas... C'est pas vraiment ce que je veux. Tu vois. C'est... Dégâts bruts d'un Z, c'est un des pires trucs que je puisse voir. Je vais voir vers la tour du Z pour pouvoir ping ses décales. Bah non mais ses décales étaient ping là, je veux dire. C'était... Le Wukong savait très bien. Hein. Mais il s'est pas dit, je sais pas. C'est pas grave, c'est pas grave. It's ok. Pourquoi on a une compo qui est pas dégueulasse, hein. Notre compo est vraiment intéressante, mais bon. Get Orifed. Ouais, alors Get Orifed. C'est pas que je veux pas, tu vois, mais. C'est pas si simple que ça. Salut Blitz. Salut Blitz Z. Y'a pas Rumble aussi dans le coin, non? Non, parce que je veux dire, venez à plusieurs. Yo, Vanu. Oh ma boule! Oh ma boule, elle est pas là! Oh fuck! Oh fuck! Oh mais le fail de ouf! Oh là là! C'est gênant ça! Oh mais je me suis dit, c'est tellement beau! Il fait air tag, je le mets sous ma tour et tout, c'est magnifique! Mais en fait, non. Et en fait, non. Hop. Faisons cela. Faisons cela. Faisons cela. C'était un bait, la Shockwave. Évidemment. Il est où? Hop, attendez, parce que je cherche un truc. Mais please quoi, mais qu'est-ce que j'ai fait? Gardons donc de panique, mais j'en ai marre. Je veux dire, chacune de mes games, il y a une espèce de camping qui est fait sur moi. Et je comprends pas pourquoi en fait, enfin... Genre les mecs, j'ai dû refaire des trucs, c'est pas possible autrement. Si si, mais le livre est déjà écrit, là je suis dans la correction, Tigra. Ah bah Wukong il dit maintenant... Ouah, maintenant que l'Orianna gère trop bien sa lane 1v12, je vais peut-être aller gank. J'ai pas faire pour une raison très simple, hein. C'était parce que le Z après pouvait faire R sur le Wukong, des choses comme ça pour dodge. Du coup, je vais pas cramer mon spell pour rien. Est-ce que je peux faire un gank bot? Est-ce
que je peux. Ouais. Non. Ok. Ok. Tu vois, c'est le moment où, bon, tu te dis non. Voilà, ça arrive. C'est vrai que je pensais plus, j'aimerais dire que ton bouquin est nul. Mais oui, faux, va nous. Mais d'ailleurs, si tu veux, je vais chercher des gens pour corriger très bientôt, donc si ça te tente, ma foi, ton aide serait la bienvenue. Donc là, que j'explique un petit peu mon stuff. Rapidement, le Scrum's Guard pour le stack, etc., est un peu plus... tenir un peu mieux face aux aides. Évidemment, ça donne de la paix, c'est pas dégueulasse du tout comme item. Donc on est au total à 45 d'armure, 35 d'AP, c'est bien. Les bottes de lucidité, parce que j'avais les gold pour, hein, c'est cool. Comme ça, je vais atteindre les 45% de CDR avec Oriana. C'est vraiment sympa. Et du coup, bah après, catalyseur, séculaire, ça se pourra avoir un peu d'HP, éviter de mourir. Parce qu'une Riven en face qui est assez feed, plus un Z, ils vont me chier dessus. Voilà, c'est tout simplement, hein, Riven 3-0, il y a Z aussi. Moi, j'aime bien, tu vois, m'adapter avec mes mates en mode, bah tiens, toi, tu veux jouer ça, moi, je vais jouer ça et tout. Bon, là-bas, je rappelle que j'étais top. Hein. It's ok. Ah, bah écoute, ouais, va nous, je veux bien, s'il te plaît. Il me reste plus que les 10 pages de la fin moi-même à corriger, donc ça doit être cool. On prévient, les copains, vous êtes prévenus. Voilà. Ok, tout va bien. Z was going bot. Care. Parce que là, le problème, c'est que je peux pas y aller. Si je vais là en plein milieu que Z est là, il va me shred les dents. Voilà, c'est important ça. Vous pouvez suivre plus ou moins. Mais suivre, ça veut pas dire être complètement ridicule, quoi. Est-ce qu'il a un flash, lui? Ouais, tu seras jamais à portée, mec. Jamais, jamais de la vie. Oh, ok, c'est pas grave. Les signes noirs sont au milieu de la laine. Bah, mais enfin, là pour l'instant, je les vois tous, c'est des cales, hein, leak. Je les préviens, tout ça, y a pas de soucis. C'est pas comme si j'avais laissé passer une décale sans prévenir à un moment pour l'instant. Du coup, globalement, si les mates se les prennent, c'est qu'à un moment, je pense que c'est volontaire. Oh, what the fuck? Mais what the fuck? Mais est-ce qu'il est sérieux? No F, Rumble. Le mec a ulti, il a même cramé son flash juste pour me voler le blue buff. What? Mais c'est pas humain ça. Ok, j'aime bien ce que tu fais. Je pense que j'écrirai un livre sur... on appellera ça les contes de Blitz et Christo. Trop bizarre. Waouh. Ok. I need to be care. Voilà. Bon, on va commencer le stack très tard, le séculaire, mais bon. Pas grave. On va acheter une pink aussi. Chaque mort, je spawn un peu et je copie des phrases. Vas-y, mais c'est toi qui me rembourse les tomes que les gens achèteront pas. Comme si lui allait être connu et tout et tout. Bon, c'est un peu chiant, c'est que du coup j'ai pas de blue buff. Comme c'est relou. Comme c'est ennuyeux, mais c'est pas grave. La tour va tomber. Ouais, effectivement, quand je vois toute l'équipe adverse venir au mid, bon. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Mais please, mais Riven, mais casse-toi! Mais c'est quoi ces blagues? Mais tu... J'ai la team adverse qui est au bot! Mais c'est... J'en ai marre! Please! Non, là, encore son flash. Wouah, je vous jure que je fais ce que je peux cette game, mais ça commence à devenir légèrement ennuyeux, quoi. Mais ma team destroy des turrets, donc ça va. Si ma team destroy des turrets, je pense qu'on est bien. Vraiment, y a des trucs à faire quand ta team destroy des turrets.
Et si ma team me fait un seul reproche pour des décalages du Z, je crois que je les découpe en tranches. Attends, ça coûte combien maintenant? Non, si, non, c'est bien, j'avais oublié que ça... Mais c'est vrai, j'avais oublié que ça donnait de la CDR, putain, c'est trop cool. Ok, bon. On se débrouille pas trop mal dans... Je pense vraiment que par rapport à la situation de la game, c'est pas trop trop mal. C'est pas trop mal, ça pourrait être largement pire. Le Drake qui va être terminé. On a un Wukong d'une efficacité secondaire, mais notre compo est bonne. Notre compo est bonne, donc bon. Ah! Mais non! Mais non, mais c'est pas possible! Elle a même son flash! 25-50 F-Riven! Mais please! Pourquoi tant de haine envers moi? Oh, mais qu'est-ce que tu fais, Brand? Please! Oh là là! Prends rien pour Slow Riven, non Rabadon et. Non mais laissez. Enfin, je vais me stuff. Je. Globalement, il paraît que j'ai déjà joué à la Ligue des Légendes. Qu'Orianna, c'est un perso que j'ai déjà joué un peu et tout. Que j'ai quelques notions d'équipement. Rassurez-vous. J'apprécie en fait l'aide que vous voulez m'apporter au niveau du stuff. Mais autant il y a des persos où j'hésite pas à vous demander, des persos que je joue pas trop et je sais pas trop ce que je vais prendre. Autant il y a certains persos en fait où je connais pas mal et je sais ce que je vais faire avec mon stuff, pourquoi je prends ça, etc. Pas de soucis là-dessus. Donc là vraiment, toit de réticulaire, c'est des HP, de la mana, de l'AP, etc. Ça va être vachement intéressant parce qu'en face il y a beaucoup de burst. Le Zonia, de la CDR, de l'AP et de quoi survivre à un burst. Ensuite, je verrai un peu ce que je vais choper. Mais globalement, le Riley viendra certainement pas avant le Rabadon. Pas chez moi en tout cas. Je suis là pour faire des dégâts tout de même. Moi j'aime bien faire mal. Bon. Il est décent. Ouais, il a l'air cool, le Jin a l'air cool. Après, je me sens pas dégueu non plus dans la game. C'est ça qui est vachement rigolo. C'est que mon score reflète pas vraiment la haine qui a été mise envers moi de la part des ennemis. C'est gênant tout de même. Il y a eu beaucoup de haine. Je pense qu'ils m'ont regardé les ennemis, ils ont dit lui, on va lui chier dessus. Je sais pas si vous vous souvenez, hein, mais la game précédente où j'étais avec Riven, j'ai été... Oh, wait! J'ai vu Gragas à peu près 12 milliards de fois au top. Ouais, c'est... Je pense qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose. Mais la game précédente a été... Ok, ça c'est dommage. Non mais t'es mort, Zed. Brand. Ça c'est relou. Hop, merci. J'ai pas été sur Oblis, ça n'avait aucun intérêt. Est-ce qu'il peut défendre top le Wukong? Ouais, il a pas de mana, il a rien, il faut que j'aille au top très vite. Hop. Allez, 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 allez. On va pas laisser taper la tour trop. T'as dit, mais c'est dégâts, Riley est très OP. Oui, mais moi je veux plus de dégâts, je veux mon Rabadon. J'ai eu beaucoup trop de haine envers moi dans cette game pour me dire je ne prends pas le Rabadon. Ah, oh. Je serais même capable de faire un Morello Nomicon juste pour avoir la CDR. Ok, je l'ai fait bugger. Ouais, mais le Zonia m'apporte de la CDR. La CDR, je veux dire, avec Orianna, c'est ultra important. Je ne vais guère cracher sur de la CDR, les gens. Je ferais peut-être même, après, un écho de Luden, que j'aime beaucoup, sur rien. What? Si fou là-bas, lui. Waouh, je sais pas ce qu'il faisait là-bas. Il a dû voir des champignons, il avait faim. C'est pas grave. Sa mort n'est pas gênante hein, dans la game, donc ça va. Hop. Non, j'ai pas 44% en fait, Sino, justement. C'était juste parce que j'avais le boobuff tout à l'heure. Oh, ça c'est puant. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'ils font aller dans la jungle? Tu sais pas pourquoi, tu sais, tes mates ils vont dans la jungle. Genre, y a pas de raison d'aller là en plus. Y en a aucune, hein, vraiment, y a pas de.
scientifiquement dans le jeu, il n'y a pas de grande découverte à faire ici, il n'y a rien. On va prendre ça maintenant. Ici c'est Wardé, faut faire gaffe, va comme aller de Jean. Là ils savent que j'arrive, hein. Ils le savent très bien. Mais bon, qu'il le sache ou pas, je peux pas laisser Jean tout seul sur un flash de l'Oriana. Il l'a dépop. Ok. Par contre, on peut pas laisser passer ses Drake. Ça va être plus chiant. Le Red Buff, alors, sur un Jean, c'est peut-être un des persos que je le trouve les moins utiles, puisqu'il a pas trop d'auto-attaque. Du coup, globalement, c'est pas ouf. Hein. Le proc des fun hit est pas incroyable. Le bleu, faut le prendre au max. Ce que je fais, mais depuis tout à l'heure, le bleu, je le prends tout seul en fait. Il m'a jamais été donné concrètement. C'est moi, tu vois, à la force de mes petits bras qui suis parti chercher le bleu. Riven est au top. Faut qu'on fasse gaffe à ce qu'il fasse pas le baron. Ok, ok, ils sont pas au baron. On a pas de ward, mais on s'en balèque. Ils vont pas le faire à deux. Tout va bien. À mon avis, c'est tout à fait ward ici. Hop, j'aime bien avoir la vision là. Allez hop. Faisons le Drake. C'était cool comme fight, vraiment. Lui, il m'a juste servi de bait, le Jean. C'est dégueulasse pour lui, mais le Jean m'a servi de bait. Hop. Du coup, après, j'ai pu mettre un ult, etc. C'était GG cool. Bon, très bien, il va y avoir un blue buff. Est-ce que je back avant? Ouais, j'ai pas de mana pour faire. On s'en fout, c'est pas grave. En fait, normalement, le blue buff, vous le faites après parce que là, je vais perdre du temps quand je vais back, mais c'est pas grave. J'ai pas dit que le Rhino ne serait pas bon sinon, Alex. Hein. J'ai juste dit que je ne voulais pas le faire tout de suite. Parce que j'ai envie de faire des dégâts, que je suis un mec débile. Le pire, c'est que là, il le voit plus. Il ne le voit plus. C'est random. Je me suis même pas dit. Je me dis, ça va être Rumble qui va faire un ulti encore. C'est worse. Mais bah non, Rumble était mort. C'est complètement ridicule. C'est dommage. Bon. Bon. It's okay. J'en ai tellement marre. J'ai envie de faire un flash, elle lui fout ma boule dans le front, mais tellement. Ok, pardon. Pas respecté, ah non, mais tellement pas. Tellement pas. Mais bon, c'est pas grave. Niveau farm, correct, mais pas bon, on va dire. Salut. Ah, le problème c'est que si je fascine, elle va faire un E. Et ça me saoule. Zbra. Je pensais qu'il allait revenir là, mais non. Ok. C'était un fight assez étrange. Je vais mettre sur lui au cas où. Vas-y mec, tape un sprint. Hein. Mais ils vont pas faire grand chose du sprint. Pendant ce temps-là, moi j'ai compris que le but du jeu c'était de détruire des bâtiments. Et ça c'est cool. Son gros quest. Non, ça ne marche pas.
Il a... Ah, Brandt, il a essayé de faire un 1v1. Ah, je comprends qu'il se fasse calmer quand même là. Mais non, mais. Ok. Haha! Tu me voles des bleus, moi je te vole un corbin, mec. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai le zonien, y'a pas de galère. Toujours avec Oriana, vous avez un côté utilitaire. Il ne faut jamais abandonner vos rêves. Jamais. Ouais, alors là, j'ai plus de rêve, j'ai plus de mana. Là, c'est un peu plus compliqué de rêver. Salut, Sadness. Tu vas bien? Attention. Ok, wallplay. Wallplay, wallplay, ça c'est bien goupillé. On est bien, on est bien. Kate Hurts. Oui, enfin, c'est un peu Caitlyn si tu veux. C'est un des meilleurs carry à des late game, non? Le fait qu'elle fasse quelques dégâts ne me surprend guère. Ouais, la Kate a fait mal, tiens. You don't say. Quelques six derrière moi, tu fais avec? Ah, malheureusement, on n'a pas le choix. Hein. C'est soit ça, soit on se suicide, de toute façon, si on peut faire avec. Mais je te souhaite bon courage, en tout cas, parce que j'imagine que ça ne doit pas être forcément très agréable. Bah. Ok, en fait, il reste plus que un loup. C'est complètement ridicule. Hop, faisons cela. J'ai plus de rêve, plus de mana. Bah. Ouais, je veux dire, il y a un moment où tu vois, je veux bien faire tout ce que les gens veulent, hein. Enfin, plus ou moins. Oh. Salut. Le petit regard envers la map qui te dit que tes alliés ont besoin de toi, enfin pas forcément, bon. Ouais non, Oriana ça a toujours tout fait, c'est cool, t'as des plays à faire, c'est bien, j'ai toujours beaucoup aimé le gameplay d'Oriana. Bon, est-ce que je vais pouvoir avoir un blue buff à votre avis? Non, parce que, je sais pas. Hein. Attendez, on va prendre ça. Ok, j'ai un blue buff. Tout va bien, tout va mieux. Est-ce qu'ils ont de la RM en face? Ils ont pas de RM. En mode, ils me respectent pas les gens. Je crois qu'ils ont pas compris qui j'étais. Ils ne savent point qui je suis. C'est pas grave. Moi, mon but là, c'est... Je vais me prendre pour un pigeon, tu vois. Et les pigeons, qu'est-ce que ça fait? Ça fait caca sur les gens. Bah voilà, je vais faire caca sur les gens. Donc, j'espère que vous allez apprécier le spectacle. Enfin, on va essayer en tout cas. Salut Fuzing, tu vas bien? On va essayer, ça va être beaucoup mieux. Hop. Même s'ils vont au baron, ils ont pas le temps. Bim. Avant, en fait, j'avais mis Garadoom parce que je ne retrouvais plus les idées du compte qui s'appelait Garadoom. Et du coup, j'ai dû recréer un compte. Et le compte, j'avais simplement appelé Garadoom. Et maintenant, le compte qui au début s'appelait Garadoom s'appelle Garadoom Smurf. Et qui s'appelait avant Garadoom s'appelle Garadoom tout court. Oh, salut toi. Yeah, we did it. Bon, on fait le baron, les mecs. Hein. Go baron. Aïe, duff. Hop, lui, on va pas le laisser faire. En plus, il peut rien me faire, le Z. Du coup, ça va, c'est cool. Hop, on encaisse les dégâts. Ah là 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 là, pauvre petit Z. En gros, je suis un des mecs les plus intéressants à envoyer face à Z. Hein. Il peut pas me 1v1. Et du coup, tous mes alliés peuvent soit les tuer en 1v1, soit s'échapper tout. Globalement, moi, c'est un peu plus la galère. C'est possible, tu défies les chaînes LOL et tu me vois. Wouah, ça date, ça date. Bah écoute, voilà, j'ai repris maintenant, je stream quand je peux, quand je suis pas en train de cast chez OG. Mais ça me fait plaisir de voir des gens comme ça. J'ai pique après lui. Mais parce que Sadness, moi, je pique les persos que j'aime contre tout et n'importe quoi. J'aime un perso, je le pique, point final. Voilà, c'est comme ça que je joue.
J'espère que ça t'aide. Donc je crois qu'il y avait déjà Z et j'ai plus qu'en rien après. Parce que c'est bien plus rigolo. Cours, petit arbre! Je vais l'appeler Sylve Barbe. Oh, il y en a, c'est bon face à tout. Aïe. Elle a combien de CD sur ces trappes? Non, parce qu'en fait, me prendre les trappes, ça me gêne pas, mais si j'ai un espoir qu'il y en ait plus au bout d'un moment, quoi. Ouah, Jean. J'avais pas de Zonia. C'est gênant. C'est super gênant, je voulais Zonia et mettre ma boule, et j'ai pas compris pourquoi j'ai... Bah oui, le Zonia t'es pas up, ceci explique-tu. Roar de Rise, voudrais-tu le train? Je l'ai un petit peu joué sur Smurf, c'est rigolo, mais ça fait après tout. Je sais, ça me dit quelque chose, le lien de Serato. Allez! Allez! Ouais! Les attaques des creeps! La bonne Riven. Non, mais là, c'est pas la bonne Riven, c'est moi, j'avais pas vu que j'avais pas le CD du Zonia. Du coup, je me dis, j'attends qu'ils engagent, je fais un Zonia et je fais une grosse boule derrière et j'avais pas vu que j'avais pas le CD du Zonia. My bad, didn't see my Zonia wasn't up. Je suis un peu déçu. C'est... Je suis déçu, vraiment. Waouh, wow, c'est chaud. Allez, 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 allez. Ah ouais, non, il court trop vite, lui. Est-ce qu'il a un Riley? Oh, il aurait tellement jamais dû s'arrêter, le Brandt. What? Vraiment? C'est la réalité que je viens de voir devant mes yeux? Parce que le souci, c'est pas d'avoir cramé mon ulti, ça, on s'en fout. J'ai des ultis non-stop. Mais flash plus ult qui touche pas, ça, ça fait mal. Oh, c'est chiant. J'ai mon flash. Oui, non, mais je sais que j'avais flash tout à l'heure, Wawix. Enfin, à la base, je savais que j'avais le flash, mais je m'en foutais vu que je voulais juste exprès me faire engage pour ensuite counter-engage. Si je faisais un flash, c'était trop visible. Du coup, le move de tout à l'heure, je savais très bien que j'avais le flash. Merci, un coaching du follow. Oh, je pense que... Mais c'est chiant, ils ont rallongé le temps de cast, en fait, de l'ulti d'Oriana. De 0,25 secondes, un truc comme ça, je crois. Il était pas dans la zone. Au début du cast, oui, à la fin du cast, non, en fait. Mais je me suis jamais réhabitué à ce nouveau temps de cast. C'est pas grave. C'est pas grave. Z. Riven. Ok, c'est dans le tribush, le Zrot. Attendez. Mais mes copains, ils viennent aussi là. Ah non, non, ils viennent pas en fait, mes copains. Oh punaise, mes copains, ils sont en mode battage de couilles. Chut. Ils savent pas que je suis là. Faudrait pas trop qu'ils se fassent engage non plus. Ok, ça c'est cool. Ok. Ok, c'est bien. Tiens, bim, mange ça. Là, c'est derrière en ruine. Oui, cramer le flash. Attends. Même si tu l'aurais eu, cramer ton flash, c'est pas worse. De quoi, attends. À quel moment, vous voulez dire? Ah, ici. Ici, bah non, parce que le fight en fait se serait bien passé si j'avais mon Zonia. Vu que j'ai. Enfin, normalement, de ce que j'avais prévu, j'aurais pas eu de soucis. Mais c'est une fois que j'ai vu que j'avais pas le Zonia, je fais. Oh shit, l'engage c'est déjà fait, c'est terminé quoi. J'ai la... ouais, j'ai la CDR en fait, parce que j'ai mes runes de Riven que j'ai oublié de changer. Ce qui n'est pas mauvais, hein, y a pas de soucis, mais j'ai pas d'AP. J'ai pas d'AP du tout en fait, j'ai de. J'ai de l'AD, de la CDR. Et de l'armure, je crois. C'est à peu près tout.
Ouais, c'est à peu près tout. Alors, attendez. Faut que j'aie le vote staff bientôt. Et ça va faire beaucoup de bien. Salut, Mr. Lenny, ça va toi? Hop, on va faire le bac, on va acheter le Void Staff. Ah, il l'engage! Non, ils vont pas l'engage. Tililit, tililit. Au moins, il va juste pas gêner ma team. Hein, c'est... Que ma team soit en 4v4, c'est bien. Ok. Oh les dégâts. Allez, 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 allez. J'arrive. I'm on my way. C'est vrai, t'aurais pu le tuer. Oui, mais c'est moins rigolo. L'écho de Lina. Enfin, Wawix, hein, tu sauras que je fais les stuff aussi selon mon plaisir. Chier ça. What? What the fuck? J'ai pas pu Zonia, j'ai pas pu R. Cooldown, Zonia, or, R. So weird. Mais c'est ultra étrange comme truc. Wouah, mais j'ai pas compris. Genre, j'ai mis la bouche, je fais RRR. Ça veut pas, je fais bon. Mes autres spells partent. Il y a eu le A, le Z, le E, c'était cool. Mais le R et le Zonia, ils ont pas. Trop bizarre. Ok, donc on perd deux tours. Très bien, génial. C'est super. Je ne suis que joie. Je suis dégoûté, j'ai pas compris. Bah, time perfect. Non, mais time perfect pas en fait. C'est... J'ai eu du temps. Mon perso a attaqué. Mon A est parti. Y'a pas de soucis. Mais y'a que mon R qui va partir. Oh, il a tellement ruiné la game là, le Rumble, à faire ça. À venir là. Oh non, mec. Oh là 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 là. Ok. Garde-nous ta cuisine en silver 2. Exactement. Exactement, Silver 2, tout à fait, moi j'approuve. Allez, cours, 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 petite Oriana. C'est free win, tu groupes jamais. Mais alors, dis-moi à quel moment est-ce que j'aurais eu l'occasion de groupe? Tu veux dire au moment où j'étais top en train de chase le Z pour que le fight soit un 4v4? Tu veux dire là où je viens de mourir face à la Riven et du coup, effectivement, je ne peux pas être avec ma team puisque je suis mort? Ou tu veux dire que tu ne regardes pas la game et que du coup, tu ne vois pas ce qu'il se passe? J'ai été beaucoup de fois groupé avec ma team, on a fait plusieurs teamfights et tout, hein, en fait. Hop là! Driven, c'est ok. Lui, je vais aller le gêner. Ok, salut. Coucou les copains. On peut continuer, on va jusqu'au bout. Ok, on continue.
Let Game Oriana les gens, c'est trop cool. Prononce là, c'est gagné, yeah! Bonjour Bukala, tu vas bien? Le fait que le Drake Up est plus utile qu'un Z en fight. Alors oui et non, parce que Z typiquement c'est quoi? C'est un assassin. Or qui fait énormément dégâts dans le team? Jin. Jin a besoin d'être free en fight en fait. Du coup c'est pas forcément le mauvais choix. D'autant qu'il y a un Zrot au top qui était en train de push. Ce qui fait qu'on aurait pu perdre un fight parce que Jin serait mort. Plus le fait qu'on avait une lane qui se faisait push. On a globalement un avantage par rapport à deux. Faut tout prendre en compte. Faut tout prendre en compte. Alors là j'ai plus de Zonia, faut quand même qu'on fasse attention. Ok, on est bien. Ah ça me fait plaisir aussi, j'aime beaucoup Orianna. Même si les ennemis m'ont un peu moins aimé. Enfin, dans le sens où je me suis... Merde. Ok. J'ai eu pas mal de camp au début, mais ça va, ça s'est bien goupillé. Hop, la petite boulette. GG! Yes, c'est le GG! Et voilà, c'est la victoire! La victoire s'offre à moi, mes amis et moi, on est prêts au combat! Yeah! Oh bah, très bien, très bien, écoutez. Comme d'habitude, dans tous les cas, si vous avez aimé, c'est le petit pouce bleu, c'est les liens partout. Moi, je vous fais des boujoux, je vous dis à la prochaine, tchou!